Hey, salut à toutes et à tous les amis, et c'est Nibor, Denis Bourriel, et aujourd'hui nous sommes de retour pour notre série x5. Donc j'avais trois défis, hein. J'avais demandé si c'était là qui voulait que je construise du coup sur quelle partie de slot. Ici à droite, devant, on m'a dit à gauche, bon bah j'ai construit à gauche du coup, hein. On m'a également donné de mettre des spéléothèmes pointus. J'avais un bateau de land à ajouter, bien évidemment, dans cette map. Alors je me suis dit, pourquoi pas le faire écraser sous terre comme un fossile. Vous voyez, avec un petit moyen d'accès. Ça, c'est vraiment les structures de land. Je crois qu'on peut en mettre par terre, ouais. On m'a dit où on pouvait s'empaler. Tu vas être sérieux avec des trucs bien pointus, là. Après, un conseil, fais gaffe à pas te foutre ça dans le cul, hein. Parce que je suis pas sûr que ça soit très agréable. On va voir un peu au niveau du bateau de land, du coup. Vu que j'étais en train de le faire descendre. Hop. On va créer toute une capsule ici, du coup. Voilà. Tac, 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 tac. Je crois qu'il y avait, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir ces blocs à un moment, je pense, dedans, pour la cabine. Donc je vais essayer d'en poser quelques-uns. Hop, ok, on va dire si ça c'est l'entrée de la cabine, cette partie-là. On peut faire ça comme ça. Hop. Tac, tac, comme si on entrait. Voilà, comme ça. Ça me semble pas mal. On peut descendre encore un peu plus, hein, honnêtement. Là, ce serait la partie qui aurait le plus résisté à... L'espace me semble plutôt correct. Tac, on est ici. On va mettre quand même une sorte de coffre. Un shulker, peut-être. C'est plus approprié un shulker, je pense. En vrai, ici, c'est mieux de mettre le shulker comme ça. Ça montre qu'il s'est accroché, qu'il y en a un qui est ici, qui a pas su résister. On va rajouter quelques objets dedans. On se dit ça vient quand même, c'est le bateau qui vient quand même d'une autre dimension. Voilà. Là il y a un peu de fer, voilà, on va enlever un fer, on va mettre un fer brut à la place. Voilà, et là pareil, on va enlever deux de fer pour mettre ça et ça comme ça. Faut pas que ça soit quand même trop cheaté, hein. Donc on va mettre une épée en or ici. Je peux vous accorder que pour le moment ça a pas l'air ouf, même peut-être potentiellement moche. Mais c'est parce que c'est une ville aux alentours. Mais après vous verrez quand ça va se transformer en vraie grotte, vous allez vous dire waouh. Je m'attendais pas à ça. Quand je vais vous demander pour la prochaine vidéo de construire soit à gauche, soit devant, soit à droite, j'aimerais tellement que ce soit ici, vous voyez. Mais après, ça dépend que de vous, hein. Mais je sais que vous êtes les meilleurs, donc vous ferez le bon choix, hein. Vous ferez pas les bâtards. Puis là, ça fait comme des dents. Je trouve ça vraiment trop stylé comme ça. C'est une petite entrée, genre, imaginez quand même, derrière, c'est sombre. Vous êtes dans une grotte et vous voyez une sorte de bouche apparaître comme ça. Ça peut être terrifiant. Ça me fait quand même un sacré style de grotte, vous voyez. Genre là on a vraiment tout un espace spéléothème. Donc dites-vous que si vous faites un... Vous voulez MLG de là, vous vous dites oh putain il y a moyen d'aller tout en bas. Eh ben non, vous faites empaler. Du coup c'est ultra fourbe. Ouais je pense que je vais quand même monter un peu plus la structure ici. Je trouve ouais. Et en plus ça relie un peu toute la grotte là. Comme ça vous voyez. Regardez-moi ça, c'est pas stylé l'ambiance. Par exemple si je suis là vous voyez. On continue, on tombe. Si ce bloc il y a quelque chose après, ça va relier les quatre ensemble. Et ça serait, je pense, magnifique. Je pense que c'est pas mal, je peux m'arrêter là pour la construction du biome. Je vais quand même revérifier depuis en haut. Donc voilà, imaginez, vous êtes sur la montagne, vous vous baladez. De toute façon, bah, je peux vous montrer un peu. Vous aurez du mal à y retrouver, voilà, vous tombez sur un truc. Faut que les trois là soient remplis après, hein, pour donner vraiment le style parfait. Donc c'est pour ça que bah, je compte sur vous pour les mentionner pour les trois prochains épisodes. Vous voyez, on descend, voilà, petite cavité. Là, on arrive ici. Je me dis putain c'est quand même stylé, il y aura de la terre autour, je vois déjà comment ça va être construit. Et là on se dit, waouh, bizarre, ça forme une énorme grotte. Du coup on descend petit à petit, on se dit waouh, quand même. Et là comme ici, on s'attend pas, les grottes sont reliées. Donc il y a un moment on voit ça, on peut passer par là. Ou c'est comme juste à l'étage au-dessus. Bah celui-là je vous l'ai montré, sur là, on monte sur l'arbre. Non, là c'est fermé par exemple, là ça fait encore plus stylé parce que il y a tout un bout qui est fermé, vous voyez. Et là, du coup, ici, c'était encore mieux, parce que là, c'est ouvert. Mais si on voulait remonter, on voit qu'ici, ça forme comme des prisons. Et imaginez ça, vraiment, d'un côté, il y a des monstres de l'autre côté. Mais ça doit être trop stylé. Hein. Bref, en tout cas, les amis, bah, j'espère que cet épisode numéro 3 du x5 vous aura plu. Je vous ai montré pas mal de choses, on a build ensemble. Et j'ai hâte, vraiment, de donner une nouvelle parcelle. Hein. Écoutez, ça va être encore plus stylé, avec un nouveau territoire en plus. Vous voyez, là, il y a quelques trucs qui vont être ajoutés. Ce qui va être, bah, je pense, dans tous les cas, magnifique. J'ai envie de vous dire. En tout cas, bah, c'était Nibor.
Votre Horcrux c'est du bonheur, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, n'oubliez pas, soyez vous-même, et portez-vous bien. Alors, ciao.